cobra é um pau. É João. É José. É um espinho. Na mão. É um corte. No pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau. É pedra. É o fim do caminho. É um resto de toco. É um pouco. Sozinho. É um passo, é uma ponte. É um sapo, é uma rã. É um belo horizonte. É uma febre terça. Oui, il est beau ton polo, dis donc mon caribou. Alors comme j'ai vu que c'était la mode, les couleurs un peu à chier cette année, fait que j'ai essayé d'être dans les tons, puis Fritelli aussi. Ah ouais, non mais attends, moi je te verrai sur le, voilà. Je te verrai au départ du 1, comme ça me choquerait pas moi. T'es habillé jusqu'à ce que tu drives quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, on en est tous là quand même. Après les gens diraient un sandwich, s'il vous plaît. un pimento cheese. Ça, c'est les balles de Deschambault. Il revient du Tourmalet, je pense. C'est pour les balles de Deschambault, ça. Salut Marion. Non. C'est dangereux. J'ai regardé le back nine de Spice et c'est au cas où il y en a une qui vienne jusqu'à chez moi, quoi. Ah voilà. Et d'ailleurs, vous feriez bien d'en faire autant. Hein. Ça. Et j'avais eu un mec qui m'avait envoyé. Je sais plus. Il avait 15 ans de journalisme, tout ça. Donc, je lui avais renvoyé un message en disant, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce sont que des contributeurs bénévoles qui font ça sur leur temps libre. Je n'ai jamais eu de réponse derrière. Donc, je pense que le garçon... Bah, tu sais quoi, tu devrais leur faire croire qu'on est hyper bien payés. Et ça, c'est encore plus encouragé, les mecs. En fait, on dit à tout le monde que toi, tu es payé, quoi, parce que pour avoir... Sinon, ce n'est pas crédible de dire que Gurvan est payé pour les conneries qu'il raconte. Tu devrais... La première la question, chose, c'est je peux répéter la question. Mettre avec toi. Cyril, il avait trouvé David Duval. Je l'ai entendu dans l'enregistrement. Il l'avait trouvé dès le début en plus. Oui, dès le début, mais dès sauf début, que. Il tourne la tête, il fait David Duval, comme ça il réfléchit à voix haute. Et en fait, on l'entend dans l'enregistrement. Et moi, je l'avais pas entendu. J'étais dans mon cahier. Et j'ai réagi après. Quoi. Mais dès le départ, dès la première question, il. Mais là on appelle pas la VAR, là. On peut pas refaire, là. Il donne pas la réponse. Non, je la donne pas. Quand je dis à la fin, putain, je l'avais. Ouais, tu le dis, en plus. C'est pas des jokes, quoi, je l'avais. Ouais, que c'est que j'ai oublié quand je l'ai coin, ouais. Surtout que Chris dit, surtout ce qu'on disait l'autre jour, surtout Chris, il dit Patrick Duval. Patrick Duval, ouais. Lui, il avait David Duval, moi j'avais Patrick Duval. Oui, il avait, toi, t'avais son frère, en fait. T'avais pas le bon, quoi. Ah, en tout cas, bah, c'est ça, c'est le jeu. C'est moche d'aller faire ça. Les deux joueuses ont été sanctionnées, c'est-à-dire celle qui a demandé et celle dont le caddie a parlé. Celle dont le caddie a parlé, ouais. Oui, voilà. De toute façon, oui, à partir du moment où et celle dont le caddie avait parlé, elle n'était même pas au courant. C'est son caddie qui avait répondu à la question de la joueuse. Et elle a été dénoncée après la fin du parcours par la joueuse américaine, dont je ne me souviens plus le nom, qui passait les cartes, qui est d'origine asiatique. Patricia Reed ? Non, qui est... Ah, c'est ignoble. C'est pas avec Christina Kim, c'est pas ça ? Si, c'est elle. C'est Christina Kim, ouais. Ouais. Elle passait les cartes, elle, Christina Kim ? Elle passait les cartes, ouais. Ouais, elle, ouais. Elle a éliminé deux adversaires. Ouais. Sympa. C'est vrai, remarque. On est responsable de son cadet, en fait. Donc, si le cadet fait des conneries sur le parcours, et en fait, bah, c'est la joueuse qui prend parce qu'elle est responsable de... C'est un prolongement d'elle-même. Donc, tout ce qui fait de mal, bah, voilà. Poser... Enfin, franchement, je pense qu'un jour, lui, si on l'invite, c'est... On va pas faire un quiz pour se faire étaler. Mais justement, on a honte de rien. Ça m'arrive toutes les semaines. Excellent encore. Voilà, il y avait le petit dernier paragraphe avec ma première victoire sur le circuit US intervient en 2020 au Puerto Rico Open, grand espoir du golf mondial.
J'ai été associé à Morikawa et Wolf lors du premier tour du Players avant la coupure liée au Covid. Je suis voisin de Lionel puisque habitant d'Oslo. C'est pas complètement le même pays, mais c'est la même passion. Ouais. Enfin, sauf que les Norvégiens ne nous acceptent pas chez eux. Mais... Ah bah, en ce moment, ouais, ils vont même pas vous accepter. Quoi. En toute modestie, je tenais à remercier ma famille, mes sponsors, et tous ceux qui me soutiennent depuis toutes ces années. Ça a été un long moment. Merci. Enfin, surtout Serge Garcia. La première victoire de Gurvan. Merci. Je pense... enfin, j'ai rien fait. Hein. J'ai juste donné une mauvaise réponse. Ça va être le titre du podcast. Je suis le Belfry, qui a été inauguré en 1977 et qui a subi énormément de critiques au début sur le resort parce qu'il y avait un peu de caractère de dingue. 4 fois accueilli. Voilà, je termine donc. Souvenez-vous des 5 joueurs espagnols ? Il ne faut pas lui laisser le quiz à lui. Hein. Non, surtout pas. Là, j'ai énormément travaillé. Il est content. J'ai énormément travaillé pour que tout le monde. Fait, là. Donc on doit te donner le temps. Manger, il y a plus de soleil. J'ai des tas de trucs à faire, mec. Attends, qu'est-ce que tu crois On doit te donner les nombres de joueurs espagnols déjà. Non, je travaille demain. Allez, 5 joueurs espagnols. Capable ? Merci. C'est vrai qu'il a un parcours bizarre, ce mec. Hein. Il a quand même une carrière un peu spéciale. Ouais. En fait, je l'aurais même pas mis américain, moi, je pense, au départ. Alors, Ferti, il est américain. Rocomediette, il est italien. Il est sicilien. Italien, ça va, ouais. Ça va pas du tout, cette histoire. Non, mais il dit Mediate. Rocomediate. Tu t'appelles Rocomediate. T'es pas américain. T'es... En plus, c'est souvent une voix parce que lui, il était vraiment sur le parcours. Je crois qu'on le voyait rarement, en fait. Il commentait, mais... Ah ben Rocco, c'est plutôt un mec de terrain. Hein. C'est ça. Ça vaut pas moins 3 points. Sans compter qu'ils ont l'aide de papa. Et sans compter que tout à l'heure, ils ont eu 3 réponses. Oh là 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 là. Oh le mauvais joueur. Non, moi je suis à loup. Et Donald, calme-toi, Donald. Ouais, je me prends, ouais. Oh, de count. Ouais. Non, mais de toute façon, c'était forcément fichu à partir du moment où t'es avec Gurvan, tu sais, ouais, pars déjà avec un handicap. Le double VHS. Vous proposer de refaire le quiz la prochaine fois? Je joue sur moi. Après ça, j'ai l'impression d'être utile. Allez. Mais j'ai bien compris que Julien m'en voulait de lui avoir imposé un quiz spécial master. Donc il m'a dit, bon, d'accord, je te mets avec Gugu. Merci Tiens, Julien bon. Pour le tirage. Ça va, toi, très bien. Donc toi, tu regardes le Masters dans ta cuisine. Ma chaise de camping, il y a un check. Je me suis dit que peut-être que ça capterait mieux parce que ma boîte est là pour aussi. Et du coup, tu prends les bières comme ça, là, tu les attrapes. Direct, il y a le frigo qui est derrière, en fait, et il ouvre. Raisonnement, j'ai pris un petit jus, j'ai pensé à Gugu, j'ai juste un petit jus de fruits. Orange. Oui, il y a la moitié de vodka, mais bon, le principe de la vodka, c'est que c'est incolore, donc on ne sait pas. Comment ça, vous me connaissez? Ah, exactement, bien vu en tout cas. Julien, toi? Mickelson. Pardon. Pourquoi? Il est à 5 coups, c'est Mickelson. C'est vrai. 4 coups même. T'as vu ce manque de respect des autres? Non, mais voilà. Fleetwood, on dit rien, ok. Voilà, on demande des justifications. Mickelson, il y a tout le monde qui pouffe. Mais c'est pas propre. C'est pas parce que c'est un papy. C'est pas propre. Ouais, j'aurais pas dû t'associer à ça. Moi, son côté. Son côté chips, là, motard américain avec son chewing-gum et ses lunettes, là, je trouve que c'est pas une réussite, quand même. C'est pas une réussite. Chips.
Non, mais c'est vrai, c'est Michel Poncherello, quoi. Je vois bien, je vois bien. Ah, donc, encore un italien, ça, non? Comme Rocco. Lui-même. Dizzy qui mange la marque. Je trouve ça assez hallucinant. Rebondir sur la performance, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est une performance de Pérez, de passer le cut pour sa première participation au tournoi des maîtres. La preuve, Bryson ne va probablement pas le passer. Il est numéro 1 FedEx quand même. Tu il a pète pour Eagle à la reprise. Aïe, aïe. Bon, fait qu'on coupera ça au montage, mais... Encore un bon choix fantasy. Mais sinon, c'est pas mal ça. Ouais. On est... Ah là, mais c'est la triste, c'est la réalité. Il y a une rediffusion du Masters 1963 et il y a déjà Bernard Langer. c'est un hommage d'ailleurs à son âge. Hein. Ouais, d'ailleurs, à ce moment-là, il est qu'à 51 victoires sur le Champions Tour. C'est ça. C'est Highlander. C'est impressionnant quand même. Il ne peut en rester qu'un. Bon, bah, ça sera le mot de la fin. T'as dit Highlander, Gugu? Highlander. Ah, ouais, j'aurais pu faire. Ouais, non, mais si j'avais été malin, j'ai j'aurais fait la manne. Aussi, donc j'ai pas osé enchaîner, en fait. Non, ça serait trop malin de ma part. Oh, mais c'est... Bon, bah, merci de votre bonne humeur à minuit le soir. Ouais, c'est vraiment cool. C'est comme, bon, toi, tu t'en fous, il est pas minuit chez toi. Hier, j'ai pas pu être là, désolé, là. Mais, ah bah oui, là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bientôt, lui, il va nous dire qu'à 14h de l'après-midi, il est en train de bosser. c'est juste un prétexte pour attaquer la vodka en plein après-midi. Ah oui, tiens. Ah oui, c'est vrai, tiens. Allez. Il est où le coffre? C'était pas du jus d'orange? Bon. Tu vois, Cyril, il n'est pas sorti de sa cuisine depuis hier. En fait. Il a raison, parce qu'il est assez mieux dans la cuisine. J'ai vidé le bar, mais j'ai pas bougé. Je nous en coupe. Je m'inclus dedans, hein, des tics de langage et les E et tout ça. C'est ça qui me prend du temps, en fait. D'essayer d'éliminer un peu les tics qu'on a tous. Moi, je mets des quoi à la fin des phrases. Grosso modo. Grosso modo, tu le dis beaucoup. Ah ouais. Grosso modo. Enfin, lui, il est voilà quand même. Il le dit tout le temps. C'est, alors, qu'est-ce qu'il dit aussi C'est une maladie quand même chez lui. Parce que Chris, son tic de langage, c'est demain, il fera plutôt beau, 27 degrés. Alors demain, j'ai noté. J'ai préparé. Non, j'allais te la demander à la fin. J'allais te la demander à la fin de l'émission. Je l'ai préparé. Ah, non, c'est parce que j'avais prévu de te le demander à la fin. Quel temps il fait à Augusta demain, Chris? Excellent, obligé, excellent, quoi. Excellente question. Obligé. Bien, c'était très bien. Mais c'était les questions surtout. Ouais, les questions surtout. Ouais. Bon, après, il a bien guidé le truc en fait avec Jojo on. On se bien toutes les deux, enfin, on s'entend vraiment bien, donc du coup, on n'est pas du tout en concurrence l'une avec l'autre. Et t'as appelé Riri, c'est ça, hein? Ouais, Riri, bah, pour Ricordo, en fait. Ouais, merci. On avait compris. Non, mais ok, j'abuse. Non, bon, c'est jamais des garçons, des fois. Non, mais ok, c'est du mal avec le mec féminin, mais je suis pas un peu déconner. C'est dur. Elle sait dire l'estime qu'on a pour toi, Gugu, quand même. Ouais, parce que... Non, mais à force de faire le teubé, bah, on t'explique. Ouais. Ça t'apprendra. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais c'est qu'on a étudié des surnoms, mais c'était pas tout avec le nom de famille, et moi, c'était son nom de famille. Voilà. Ah, on a tout dit. La présentation, et on est bon. Moi, t'as le retenu quasiment tout, enfin, même tout ce que j'ai dit, hein, parce qu'on m'a trop entendu contre lui d'hier, donc ça serait bien. Mais non, pourquoi tu dis ça? Ah, c'était beaucoup, j'ai trouvé, j'en avais. À un moment, j'en ai eu marre, et heureusement qu'il y a eu le jingle météo. Parce toi aussi. Je ne me rendais pas compte, hein. Ah non, mais tu. C'est la seule qui dit des trucs intelligents, il faut bien que je les garde, quoi. Je parle tout le temps, j'arrête jamais. En plus, t'exagères, moi, je l'ai trouvé vraiment cool, hein. Non, mais ouais. Il est bien,
mais tu sais, pour moi, c'est un enfer. Je sais que je parle trop et en fait, vous... Ah non, mais je te promets, je t'ai coupé. Hein. J'ai de quoi faire trois autres débriefs rien qu'avec ce que tu as dit. Que j'ai pas gardé. Mais lui, des trucs de ce qu'elle a dit hier pour... pour ce soir. La dernière fois que je participe. Oh ben non. non. Ah, ça fait bizarre quand il s'en va au fond là comme oui, ça. Oui, ok, donc je vais me déplacer. Ouais, mais sinon quand tu parles pas, tu l'as fait. Non, mais ça doit être le frigo. Quand tu parles pas, tu l'as fait. Faire le frigo américain, ça fait du bruit en titi. Ah, mais ciao Cyril, bonne soirée. Bon bah, vous parlerez pour moi de Cameron Smith. Ouais. Non, oh, il a un beau pull Gugu, oh là là. Il l'avait déjà hier. On est pieds, dis donc. Le pull USA ou c'est le pull générique? Non. Gugu, tu bouges aussi, toi? Comment? Tu bouges aussi, toi? Tu te déplaces? Ouais, mais pas beaucoup. Eh, vous allez peut-être vous retrouver, hein. T'as raison. Cyril. Cyril. Oh bah il est là. C'est vrai. Ce serait le sketch. Le truc énorme. Quatrième dimension. Vous êtes trop con, putain. Oh là 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 là. Oh putain, on se marre bien quand même. Hein. Comme tu dis. Quelle bêtise qu'on va faire pour Noël, hein. Non, mais en fait, je pense que de temps en temps, il faudrait qu'on se réunisse pour discuter, sans enregistrer ni rien, juste pour se fendre la gueule pendant une demi-heure. Mettre ça dans le planning de chacun. Hein, Ouais, c'est ça. Activité. Histoire de rigoler, de débriefer de nos conneries de la semaine, et puis c'est tout. Hein. Activité détente. C'est ça. Non. Comment on peut pas faire du footing, faire de la rigolade. Là, il est tard chez vous. Hein. Là, le livre peut rien faire là, pour vous. Là. Bon, ça, bon, j'ai coupé l'enregistrement depuis 40 minutes. Déjà, donc, Moi pas. Ah oui. Non. C'est magnifique. Moi, magnifique.